Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, c'est juste là, en bas, au-dessus de la barre d'infos. Pensez-y, comme ça vous allez rien louper. J'ai commencé ma série de tutos Halloween. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up automne. Et du coup, pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Sweet Peach, que j'affectionne. Je suis pas très palette parce que j'aime pas retrouver les mêmes couleurs de partout, mais pour le coup celle-ci elle change vraiment des autres palettes que j'ai pu voir, et en plus elle sent super bon la pêche. Le make-up que j'ai actuellement, un make-up super bien pour l'automne, c'est ce que j'adore faire en ce moment, avec des lèvres bien foncées, et en plus c'est un mat, c'est tendance. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. A tout de suite. Donc je vous ai passé l'étape du teint. J'ai mis comme base lissante la Mister Smooth de chez Givenchy. Ensuite j'ai mis mon fond de teint parure de lumière de chez Guerlain. J'ai fait mes sourcils avec la palette Kiko, la Brow Expert en teinte 03. Mon fond de teint Guerlain c'est en teinte 03 aussi. J'ai mis une base sur mes paupières pour faire tenir mes fards plus longtemps. C'est l'anti-cerne de chez Sephora. Je trouve ça pour le prix super sympa. Et comme base, il est vraiment top. Comme je vous l'ai dit en intro, on va utiliser la Sweet Peach aujourd'hui. Je trouve qu'elle se prête parfaitement à toutes les saisons. Et aujourd'hui, je vais vous faire un make-up que j'adore porter. Et pour le coup, on est en automne, donc parfait pour l'automne. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy, je vais prendre la teinte White Peach qui est tout en haut là, et je vais venir sous mon sourcil donner un coup de propre et éclairer. Ensuite je prends la Peach and Cream qui est un rosé pâle, un beige même, un beige rosé, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile pour bien agrandir mon regard. Si vous êtes comme moi, vous avez une paupière plombante, le mieux c'est d'utiliser des fards très clairs sur votre paupière mobile. Je prends un pinceau fluffy et je vais prendre un coup la purée et un coup la Summer Yum. Elle se trouve juste ici. On va commencer par la purée et je viens me mettre dans mon creux de paupière et je vais estomper, 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 estomper. Je vous la refais pas, hein. Vous connaissez le secret d'un joli maquillage, c'est que ça soit estompé. Je prends un petit pinceau boule comme ceci et je reprends les mêmes couleurs et je viens en ras des cils. Accorder mon maquillage. Je reprends ma couleur Peach and Cream et je viens la mettre à l'intérieur de mon line. Hop. Toujours avec un pinceau fluffy. Hop. Je viens prendre la Charm Am Sur qui est tout en haut, juste là. Et je viens juste dans le creux donner un peu plus de profondeur. Bien sûr, plus d'intensité vous voulez, plus vous en rajoutez. Mon fluffy propre, je reprends du clair, du blanc et je viens estomper. Pour moi c'est assez foncé. Je vais rester comme ça. Du coup, je reviens prendre la Peach and Cream. Et pour avoir des marquations. Et ensuite, je prends un tout petit pinceau comme ceci. Et je viens prendre le noir qui se trouve juste ici, le tan. Ting. J'aime juste.
Je viens prendre un Kajal de chez Nocibé. Je vais le mettre dans ma muqueuse afin d'avoir plus d'épaisseur au niveau des cils, parce que les miens ils sont tout petits et bien droits. Mon mascara, c'est le Grandiose Extrême de chez Lancôme. C'est celui qui s'ouvre tout bizarrement. Alors je suis pas hyper fan, je trouve qu'avec mes tout petits cils c'est pas top. On en met sur les cils du bas. Ensuite, je prends un crayon noir de chez Bourjois et venir en ras-cils. Ensuite, on vient chercher ce petit engin et on vient gratouiller. Là, on a le mascara qui a coulé. Je viens prendre mon highlighter de chez Mary Lou Manizer. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai explosé dans ma mallette en allant chez une cliente. On prend un pinceau plat. Je vais venir en poser juste en haut de mon sourcil pour donner de la lumière. Je vais en mettre au creux, juste ici. Je trouve que ça agrandit le regard. C'est super joli. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon nez. Je prends un gros pinceau. Et je vais en mettre sur le haut de mes paupières. On remet juste ici pour bien attraper la lumière. En blush, j'utilise celui de NYX. J'utilise aussi bien en blush qu'en fard à paupières. J'aime beaucoup le 04 Solstice. J'en mets très légèrement parce que je suis pas hyper fan de blush. Pour réchauffer un peu mon teint, je prends la Tango White Bronzing Powder de chez NYX, aussi en teinte 02. Je reste léger, un petit peu en haut de mes teintes. Très léger. En rouge à lèvres, je vais faire le combo du Night Moss de chez MAC, le A24, que j'aime beaucoup, avec le Divin. Ça se voit, j'aime beaucoup. Je trouve que pour maquillage d'automne, ça s'y prête très bien. Le Diva Matte de chez MAC. MAC cette fois-ci. Une amie à moi qui m'avait fait découvrir ce rouge à lèvres dans mon année de maquillage. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou et j'espère que tu vas bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le tuto avec la Sweet Peach vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto Halloween et un tuto make-up beauté. Salut !